Salut tout le monde, c'est Fuse. On cherche encore et toujours à réduire nos émissions de CO2 à la suscorp Bah ben ouais, on est une entreprise respectable, mais c'est surtout qu'on a un indice écologique catastrophique. Du coup, j'ai cherché sur Google quelle était l'énergie la moins polluante. Avec un petit peu de chance, ce sera le charbon vu qu'actuellement toute la corp fonctionne à ça. Hein, quoi Non, vous me dites que c'est pas possible L'énergie hydraulique, c'est-à-dire les barrages électriques. C'est pas mal, mais dans la suscorp on n'a pas de dénivelé suffisant pour en faire un. Ensuite, il y a le nucléaire, mais c'est un coup à me retrouver avec des manifestations de blocking anti-nucléaires. Au final, il nous reste que les éoliennes. Aujourd'hui, je vais donc construire suffisamment d'éoliennes sur cette île pour alimenter la fusecorp en électricité. Pourquoi ici Parce que c'est des plaines qui donnent sur la mer. Donc le vent est bloqué par rien du tout et on va pouvoir générer des énormes quantités de thunes. Enfin, d'énergie de... enfin, à bas carbone. Parce que l'écologie avant tout. Ouais. Ce délire de plaines qui permet de farmer le vent, c'est la même chose qu'aux Pays-Bas. Mais du coup, vu que ça fait un an que j'habite là-bas, faut bien que je raconte des anecdotes dessus. Hein. Mais en gros, cette zone, c'est un des plus gros gisements à vent de toute l'Europe. Et c'est d'ailleurs là qu'ils installent la majorité des éoliennes offshore du continent et accessoirement ils ont aussi des tonnes de moulins mais après les moulins ils ont une spécificité par rapport aux moulins en france mais voilà bon bref on s'en fout je raconte ma vie si vous pouviez juste vous abonner à la chaîne ça m'aiderait énormément du coup ici ça va être la première fois qu'on va construire quelque chose en dehors de l'île de la Fuse City j'hésitais à faire les éoliennes ici mais je préfère que l'île principale soit dédiée à des bâtiments conséquents je réfléchis juste à un moyen original d'aller sur l'île d'en face ici j'ai plein de pistons de create et je vais les utiliser pour faire sortir un pont du sol déjà j'ai retiré toute l'eau de notre pont aquatique pour installer des pistons tout au fond, c'est beaucoup plus simple. Attendez, en fait, là j'ai l'impression que je pars dans un truc qui est visiblement pas faisable. Pour qu'un piston se déploie, il faut qu'il ait un bras de piston. Le problème c'est que là les bras de piston bloquent l'arrivée de rotation des autres pistons. J'ai tout détruit et j'ai fait ce système où quand j'appuie sur ce bouton, il y a un pont qui sort littéralement du sol. Ça paraît peut-être rien pour vous, mais ce système, c'était une galère. Au début, pour pousser les blocs, je voulais utiliser un piston. Le problème c'est que pour pousser une grosse quantité de blocs, il faut une quantité équivalente de bras de piston. Spoiler, les souterrains de la Fuse City sont full. Pour déplacer.. La structure, du coup, j'ai utilisé un minecart. Mais au début, il faisait n'importe quoi. Oh non, non non, il va tout péter. Oh là, oh, j'ai peur qu'il casse tout là. Mais il y a un truc que je viens de découvrir sur le Cart Assembler, c'est qu'il y a la possibilité de bloquer le sens de la structure. C'est compliqué à expliquer si vous connaissez pas Create, mais sans cette option, le minecart fait n'importe quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer des plaques de pression ici et je vais les brancher de façon à ce que ça déclenche le système. Là, c'est la partie relou où il faut retirer tout le sable de la zone. Vous savez quoi Je terminerai cette tâche un tout petit peu après. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on termine le quartier pauvre. Pour le quartier pauvre, il reste quasiment rien à faire avant qu'il soit terminé. Ici, je pense que ça manque encore d'une maison de ce côté-là. J'ai un peu regardé, j'ai l'impression qu'on a la place de construire une maison ici et une maison là. Et peut-être une dernière maison ici, mais quelqu'un m'a proposé de mettre des abeilles dans la Fuel City. C'est vrai que les abeilles sont essentielles à la biodiversité. Si l'abeille venait à disparaître de la surface de la Terre, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Albert Einstein. Bon, sauf qu'Assible, ce qu c'est pas lui qui l'a dit cette phrase. J'ai construit cette petite zone qui sera dédiée à l'élevage d'abeilles ça on en fait d'une pierre de coups, on sauve la nature et en même temps on peut lancer une toute nouvelle marque de miel qui va s'appeler Fuse Miel. Ouais j'avais pas d'inspi pour le nom. Voilà comment lier l'utile au profitable. Je vais aussi rajouter des petites abeilles qui volent de chisel and bits dans la zone, ça pourrait limite devenir la mascotte de notre entreprise de miel. Il y a toujours le risque que les habitants à côté se fassent piquer. Mais de toute façon c'est le quartier pauvre, ils auront pas assez d'argent pour nous attaquer en justice. D'ailleurs j'ai trouvé cet item, c'est grave pratique pour rendre une zone beaucoup plus colorée. C'est l'équivalent de la bonne mille mais avec les fleurs de botania. J'ai reçu un commentaire très Intéressant au niveau des vitres des maisons du quartier pauvre. Dans le mode pack, quelqu'un m'a conseillé d'utiliser un bloc qui s'appelle les Dirty Glass. J'ai des blocs de verre de différentes couleurs que je vais devoir casser, et en combinant les résidus ensemble, je récupère ces fameux blocs. On est d'accord, ça correspond un peu plus à des vitres qu'on pourrait trouver dans un quartier pauvre quand même. Cool! Le quartier pauvre est terminé! Maintenant le quartier d'affaires. Euh, le quartier pauvre est pas vraiment fini. En vrai, même quand j'aurai fini la dernière maison qui va ici, il restera encore plein de petits détails à faire à droite à gauche dans le quartier pauvre. On a toujours notre problématique de devoir créer une monnaie qui sert dans la Fuse Corp et ses alentours. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de ma boîte de doliprane géante. Certains des tableaux se sont effacés. J'ai trop le seum, Ça représentait des heures et des heures de travail. Bon, je le referai. Mais d'abord, j'ai reçu plusieurs suggestions dans les commentaires par rapport à la future monnaie de la Fuse City. Fuse, pour le chisel de ta monnaie, je te conseille d'utiliser plein de blocs qui n'ont pas de sens. Comme ça, le fraudeur n'aura presque qu'une chance de tomber sur la bonne recette. Ça, c'est la première pièce de monnaie qu'on avait faite, qui est très facile à copier. Comme dit cette personne, c'est de faire une pièce à partir de blocs de chisel avec un pattern pas. De du tout prédictible pour que ce soit super dur à reproduire. Un petit peu comme la recette des OGM sur NG, il me dit. J'y ai pensé, mais le faussaire aurait simplement à créer un pattern de la pièce et il pourrait le dupliquer autant qu'il veut. La solution qui me reste, c'est un bouquin signé par moi-même, soit directement d'utiliser ma tête comme monnaie d'échange. Quoique, à Skip, il y a une technique qui permet d'avoir la tête de n'importe quel joueur. Je pense pas que ça marche. Je vais renommer mon bonhomme de neige en Dream. Si jamais je laisse la sorcière sortir et qu'elle tue le bonhomme de neige, ok, elle l'a butée. Ok, on a récupéré la tête de Dream, wesh. Mais c'est abusé N'importe qui pourrait en refaire. À l'infini et faire plonger l'économie de la Fuse City. Pour qu'une monnaie vale quelque chose, il faut qu'elle soit rare. J'ai ma petite idée pour ça. Mais avant, je vais remettre l'eau que j'ai retirée en début d'épisode. Faudrait peut-être qu'on donne un nom à l'île principale sur laquelle on se trouve pour pouvoir la distinguer avec l'île secondaire. Mais en tout cas, le, le rendu final est vraiment trop trop stylé. Putain, en plus, la vitesse à laquelle on se déplace, je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais. Là, le pont arrive en plein milieu de l'eau. Du coup, les refs, petite opération de terraforming des familles. C'est trop trop bizarre, il y a ces espèces de sphères qui ont été générées dans ce biome, je sais pas d'où ça vient. Dans tous les cas, ça dégage. Nickel, maintenant depuis notre pont, on peut accéder à cette île et il nous manque plus que ce dernier petit pont qui mène jusqu'aux plaines où on va installer nos éoliennes. Dans chaque zone de la Fuse City, j'essaye d'avoir un style un petit peu différent. Je sais pas quel style on adoptera pour cette partie-là de la Fuse City donc le design du pont peut encore changer. Il faut qu'on parle du quartier d'affaires, j'attends ce moment depuis une dizaine d'épisodes au moins. Ça, c'est la carte de la Fuse City et ça, ça va être la sous-carte du quartier d'affaires. Dans le quartier d'affaires, tu devrais faire une tour par sous-entreprise de la Fuse Corp. Exactement ce que je compte faire. Je vous propose de construire notre première tour juste ici. Ce sera la Bankling. Ce sera la maison mère de la banque qu'on a construite ici. À côté, ce sera la zone dédiée autour de la FTS, Fuse Transport System. C'est le regroupement de toutes les entreprises de transport de la Fuse Corp. En gros, elle est composée de Aircube, la compagnie aérienne, et de l'Hypernoop, qui est notre moyen de transport ultra rapide sous la Fuse Corp. J'ai mis à jour le diagramme, histoire que vous y voyez un petit peu plus clair. Avant de commencer la construction de cette nouvelle zone, il faut qu'on se mette d'accord sur le style de construction. Je propose que la structure des buildings soit faite en blocs de métal et que les murs soient fait en bloc de verre coloré. Avec ça, on garde un petit peu le style coloré et l'idée générale de la Fuse City, et on a quand même le feeling de grande tour en verre, un petit peu comme ce qu'on aurait à la Défense. Bref, pour faire la tour de la banque, je pense que partir sur cette taille-là, c'est pas trop une mauvaise idée. Au niveau du design de la route, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça, ça reste un petit peu dans l'idée de la Fuse City. Une banque dans un quartier d'affaires, vous êtes d'accord que c'est un petit peu le point central. C'est pour ça que je vais installer la station d'hypernoob juste en face de la banque. J'ai tellement d'idées pour ce quartier que je pourrais tout finir en un seul épisode. Mais j'ai plein d'autres trucs à faire. Par exemple, on a un gros problème de de mana au niveau de la Fuse Corp. Il y a deux épisodes, on a mis en place une ferme à Hydroangéas. Ça génère du mana à partir de sources d'eau. Malheureusement, ces fleurs ont une durée de vie. Forcément, du coup, depuis le dernier épisode, elles se sont toutes désintégrées. Pour que ce genre de fleurs soit viable sur le long terme, il faudrait une ferme qui en produit. Là, j'avoue, j'avais aucune idée de comment faire. Jusqu'à ce que je tombe sur ce commentaire, il n'y a pas une fleur qui peut changer la poudre à canon en mana Non. Par contre, j'ai une fleur qui permet de générer du mana à partir de TNT. Pour rappel, grâce à la ferme à Blockling, on a une quantité infinie de gunpowder. Là, j'ai la fleur en question. Là, j'ai une TNT. Est-ce que ça va Absorber l'explosion ou est-ce que ça va détruire le sol autour oh. Oh, ok d'accord ça n'a pas explosé les trucs et en regardant à l'intérieur de la fleur on peut voir qu'il y a une bonne quantité de mana qui a été générée. Pour l'instant, ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le spawn des blocklings. Là je vais modifier le système pour que quand on appuie sur le bouton, ça switch entre faire ma XP et faire ma gunpowder. J'ai pas trop la place de mettre un système de redstone pour les tuer, mais j'ai une idée. Cette fleur de Botania attaque tous les mobs dans un rayon de 6 bloquets. J'ai fait en sorte que quand on appuie sur le bouton, ça inverse le sens du tapis roulant. Tous les blocklings tombent de ce côté-là, et vu que j'ai mis la fleur qui les bute à côté, et bah ça nous fait de la gunpowder ultra facilement. Regardez la vitesse à la ça monte. Ensuite on transforme la Gunpowder en TNT. J'ai pas encore relié le système qui craft automatiquement la TNT à ses dispensers mais ici ils sont remplis de TNT et à chaque minute ça envoie un courant de redstone qui fait tomber les TNT et qui explose. Quand ça fait un bruit d'explosion c'est pas un bon signe. Quand la TNT explose si les fleurs sont remplies, l'explosion a quand même lieu et ça déglingue tout. C'est pour ça que j'ai mis de l'obsidienne. Il reste plein de petits détails à régler avec ce système. C'est suffisamment de mana pour me crafter un Rod of the Terra Firma. Cet item il permet de terraformer une zone sans que j'ai rien à faire. Genre si je fais un clic droit... Oh 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 ok ça déglingue des trucs ou... Où... Ouais, j'ai l'impression que ça casse des blocs. Non, ça casse pas des blocs. Ok, c'est trop bizarre. Vous voyez que c'est quand même. Oh, non, non, ça. Ah des fois ça casse des blocs et des fois ça. Pourquoi ça casse des blocs là Attendez, mais what the fuck? Ça m'a pété mon sol aussi. Ah d'accord, en fait, ça prend des blocs depuis la montagne et ça vient les poser ici, je comprends un petit peu mieux maintenant. C'est très pratique pour aplanir la zone, mais il nous reste encore le rituel du Gaïa à dégager. Pour le rituel du Gaïa, faudrait que tu le déplaces sur une île à côté pour avoir de la place pour le quartier d'affaires. Au final, je me suis lancé dans la construction d'une île artificielle pour accueillir le rituel du Gaïa. Au final, voilà à quoi ressemble l'île artificielle. J'ai peur qu'elle soit juste pas assez grande dans cette direction là. Mais c'est pas grave parce qu'on a toujours la possibilité. Alors là, ça fait un peu de la. Ouais, non, ça fait des dingueries en dessous. Hein. Est-ce que mon île, on dirait pas un peu une patate mal formée quand même Vu que l'hôtel du rituel est terminé, je vais vous expliquer ce que je compte utiliser comme monnaie d'échange. Vu qu'on a vu que c'était pas possible d'utiliser ma tête et que je veux pas non plus utiliser un livre signé parce que ça se stack pas, il faut que la pièce elle-même ait une valeur intrinsèque. Dans la vraie vie, c'est un petit peu comme les pièces d'or. La valeur de la pièce, c'est la valeur de l'or qui la compose. Contrairement aux pièces de 1 euro par exemple, dont la valeur à produire la pièce en elle-même vaut moins cher que la valeur qu'on lui accorde. Allez-y, prenez du Doliprane, j'en ai plein, je sais, j'explique pas très bien. Je vous présente le tout premier Fusecoin. C'est pas parce que c'est ma propre monnaie, mais je la trouve vachement stylée quand même. L'extérieur de la pièce est fait à partir de morceaux de blocs d'alstil. C'est ce bloc-là, rien que pour en crafter un seul, c'est l'équivalent de 18 piscines de mana remplies. Rien que ça, c'est extrêmement cher. Mais en plus, l'intérieur de la pièce est fait à partir d'Overgrowth Grass. C'est dur à dire. Vous savez, c'est le bloc qui permet de doubler la génération de mana des fleurs qui sont dessus. Si ce bloc est rare, c'est parce qu'il s'obtient dans le combat contre le Gaia Guardian et qu'il a que 25% de chance d'être drop. On est d'accord, n'importe qui avec les bonnes ressources peut créer son propre Fuse Coin. Mais vu qu'il est fait à partir de blocs rares, il garde de la valeur. Pour comprendre la suite, il faut comprendre le concept de stress dans le mode Create. Vous pouvez voir ça un petit peu comme la quantité d'électricité disponible. Ici, j'ai une jauge qui me permet de savoir exactement combien il y a de stress dans mon système. Pour alimenter la totalité de la fusecorp, j'ai besoin d'un peu plus de 65 000 de stress. Je suis en train de réfléchir au design d'éoliennes le plus efficace possible. Installe des éoliennes et des panneaux solaires au-dessus des bâtiments. Justement, il y a quelques épisodes, j'avais fait ce design d'éoliennes à installer sur le toit des maisons. Ça s'appelle des éoliennes verticales et ça existe vraiment. et bon, nous c'est pas ce qu'on veut. Il y a quelques épisodes, Pimpin s'était amusé à construire ce design d'éoliennes. À la base, c'était juste pour de la décoration, mais moi j'aime beaucoup le design. Sur Create, on peut créer des éoliennes avec plus ou moins n'importe quelle structure en utilisant ces blocs-là. Là, mon éolienne, par exemple, elle ressemble à rien, mais si je fais un clic droit, hop, elle commence à tourner. Je vais remplacer les fausses pales de mon éolienne par des vraies, et si ça marche bien, j'en referai plusieurs. La bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de très bien marcher. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'avec une seule éolienne on génère 3500 de stress. Du coup, 20 éoliennes seraient suffisantes pour remplacer notre ancien système. Let's go! Je vais installer mes éoliennes juste ici. Il y a beaucoup d'herbes et de verdure dans la zone. Je vais devoir tout dégager. Vous pouvez pas m'attaquer sur l'indice écologique, c'est pour faire les éoliennes. Pour cette tâche, j'ai 7 items de Botania qui est trop pratique. J'ai juste à faire un clic droit avec et ça casse la totalité des herbes qui y a dans la zone autour de moi. Là 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 là, j'adore la nature. Je vais utiliser le rod of the Terra Firma pour aplatir un bon coup le terrain. C'est trop pratique. Le temps de Malade que ce truc fait gagner en termes de terraforming. Regardez-moi qui est là dans la forêt, là, un wizard gentil. Je l'avais fait spawner il y a quelques épisodes histoire de tester. Voilà les trois premières éoliennes en fonctionnement. J'ai calculé qu'en tout, je vais en avoir besoin de 19. Bon bah, let's go, hein J'ai invité Pimpin à me donner un coup de main. Pendant que je fais ça, je vous rappelle que le formulaire de recrutement pour devenir modérateur de ma chaîne est toujours disponible dans la description. Longtemps plus tard, on a passé l'après-midi à construire ces éoliennes. Pour l'instant, il y en a 15, c'est-à-dire 3 de moins que ce qu'on avait prévu. Et il y a un autre problème. Chaque éolienne génère 3500 de stress. Si on fait le calcul, on devrait être à 52 000. Et pourtant, on n'arrive pas à dépasser les 40 000 de stress. Il y a peut-être un problème dans la façon dans laquelle j'ai... Relier les éoliennes entre elles. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on a quand même réalisé un exploit écologique. Entre ça et l'élevage d'abeilles, on peut bien se rajouter deux points sur notre indice écologique. Malheureusement, j'arrive à court de temps pour cet épisode. Je réglerai tous les problèmes d'ici le prochain. Ce soir, je vais être en stream pour la réouverture de la V8 de Palladium. Le lien est dans la description. Mais si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, les énergies bas carbone. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus.